Salut à tous, c'est Basix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de... On va d'abord déballer le Nikon Coolpix S2700. Et ensuite, je vais vous montrer l'appareil en lui-même. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer d'abord avec un rapide tour des spécifications. Donc le Nikon Coolpix S2700, il a un capteur de 16 mégapixels, un zoom numérique x6, donc on a un auto-sélecteur de scène et ça filme en HD 720p. Donc voilà pour les spécifications générales. Donc au dos de la boîte, on a quelques petites informations. Sur le côté, on a Nikon Coolpix S2700. Sur le dessus, on a compatible Windows 8, Mac, QuickTime, High Speed Certified USB et carte SD XC qui n'est donc pas fournie dans la boîte. Donc justement, dans cette fameuse boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc on va l'ouvrir par ici en tirant sur la languette. On ouvre. Hop, voilà, donc on a un papier de garantie Nikon Europe. On a un guide de démarrage rapide. On a un CD Nikon avec le logiciel View NX2. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a un gros chargeur. Donc on branche avec l'USB par ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les câbles USB. Donc c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Et de l'autre côté, c'est l'USB classique, hein, comme ça. Donc on a le boîtier où était située la batterie, mais je l'ai directement mis dans l'appareil photo pour pas perdre de temps. Donc on a d'autres plastiques. Donc voilà. On va faire un petit peu de ménage. Hop. Et voilà, l'appareil photo il est situé ici. Je vais vous sortir. Donc la Dragon déjà installée. Donc voilà. Donc vous en avez sans doute remarqué, c'est le Nikon Coolpix S2700 dans sa version violette avec des jolies arabesques ici. Donc dans la main, c'est très léger, hein. Il ne faut pas s'attendre à l'appareil photo de masse, de toute façon comme son nom l'indique, c'est un appareil photo compact. Donc vraiment quand on appuie dessus, on sent que c'est bien fait, c'est vraiment, c'est pas mal, c'est compact et voilà, c'est bien fini franchement. Donc ici on a l'accès à la carte SD et à la batterie. Bon là comme je vous ai dit, il n'y a pas de carte SD, j'en ai pas sous la main donc j'ai pas pu vous montrer. Donc sans carte SD, on a un espace total de 42 MO. Donc on est vraiment obligé d'en acheter. Déjà si on veut filmer, si on veut faire une petite vidéo en HD sur 42 MO, ça tient même pas. Donc l'appareil photo nous autorise même pas à lancer cette vidéo. Donc on va allumer l'appareil, donc l'allumage se fait par une petite pression sur le bouton là. Donc allumage extrêmement rapide, là il est déjà allumé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 2,7 pouces. Ici on a le bouton pour prendre une vidéo. Là, quand on appuie ici, on a le bouton pour voir nos photos. Mais là on n'a pas de photo, donc on va faire un demi-tour en appuyant ici. Ici on a le menu qui sélectionne la taille d'image. Ici on a le bouton supprimer. Donc là je sais pas trop ce que c'est ici. C'est pour le niveau de luminosité ou des correcteurs d'exposition comme ils disent. Ici on a flash automatique ou flash manuel. Ici on a le retardateur. Et ici qu'est-ce qu'on a? Bon, ça réagit pas quand on appuie. Bref, voilà, donc ici c'est le déclencheur photo. Donc quand on appuie ici, on peut prendre une photo. Et ici, le zoom se fait par une petite molette ici. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc la marque Nikon, Coolpix. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc on va éteindre l'appareil. Ah oui, je vous ai pas montré ici. Donc ici, on a 25 mm d'angle optique et ici on a
le flash. Donc flash que vous pouvez régler en tant que manuel ou automatique. Et ici on a l'entrée micro pour quand on filme une vidéo, c'est l'entrée du son. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je ferai pas, à mon avis, je ferai pas de test de photos et vidéos, hein, parce qu'il y en a déjà plein sur le, il y en a déjà plein sur le net. Ah oui, j'ai pas parlé du prix. Donc le prix. Donc cet appareil, c'est un appareil donc logiquement, il est vendu à 100 €. Mais on peut trouver sur certains sites aujourd'hui, on peut trouver des offres de remboursement qui le placent à 75 voire 80 €. Donc la date de sortie, il est sorti en janvier 2013, donc en début d'année. Et donc voilà, je vais revenir juste sur le prix. Donc pour 75 €, 80 €, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un appareil photo compact, très joli, bien fini, avec un capteur de 16 mégapixels et qui est capable de filmer en HD, avec un écran de 2,7 pouces en LCD, donc c'est relativement correct. Hein. Bon, par contre, il faudra passer par l'achat d'une carte SDXC. Donc voilà, ça fait un coût supplémentaire, mais moi, je recommanderais cet appareil. Hein. Un bon appareil, bon, après, vous n'êtes pas obligé de le prendre dans cette version violette. Hein. Ouais, j'ai pas pu l'avoir autrement, mais bon. Il existe en différentes couleurs, donc il existe en noir, en rouge et en bleu, ou alors en violet sans ces formes ici, je vous ai pas bien montré, comme vous pouvez les voir ici. Donc on va arrêter cette vidéo, donc après je vous encourage à aller voir des tests de rendu photo et vidéo avec cet appareil sur YouTube ou autre site de vidéo. Donc voilà, c'était Valdix et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.